Ferreira Wadjakite, la présidente du Nos préoccupations vont dans le sens de la préservation de la santé aussi, c'est-à-dire mettre des médicaments de qualité à la disposition de nos populations, réduire le nombre de sociétés grossistes pour ne garder celles qui sont éthiques, qui sont les meilleures, et mettre à la disposition des Guinéens une couverture de santé universelle qui leur permettra d'accéder à des soins de qualité dans les meilleures conditions et à moindre coût. Qu'a-t-il répondu ? La réponse est favorable. Je vous demande de présenter, de faire des propositions concrètes, beaucoup plus détaillées, qui seront plus en compte. Par rapport à ce discours, vous convaincu ? Par rapport au discours, vous savez, j'y crois. La Guinée a toujours eu de très bons chefs. Mais ce que je voudrais dire, le problème, c'est nous les Guinéens. C'est nous les Guinéens. Nous les accompagnons dans l'euphorie au début. Et lorsque les choses ne vont pas dans le sens de nos intérêts, on se retraque et on commence à tirer à boulet rouge sur nos chefs. Il faudrait que nous changeons, que nous appelions à nous sacrifier, parce que rien n'est obtenu, rien n'est obtenu gratuitement. Donc vous, est-ce que vous rassurez de vous que quelles personnes seront prises en compte? Écoutez, celle de l'avenir nous le dira. Je ne voudrais pas être pessimiste. Si je suis pessimiste, je ne serais pas ici. Il faut y croire. C'est ces derniers temps, il y a beaucoup de préoccupations. C'est devenu une question qui est dans d'autres corporations, notamment de qualité. Est-ce que vous pensez que ces préoccupations seront les alliés doivent être consolidés. Bien sûr que je l'ai abordé. Mais je veux dire que nous devons faire des propositions. Et c'est à la suite de cela, ça ne sert à rien de dire oui,